Ông quỳ chọc. Ông chúng ta phải cảm ơn tổ cái tâm lạc ca để tiếp thị tâm lạc ca. Để tổ tổng đích bắt đầu được ca chung tư lục dự trọng dòng mạc là vế. Để đảm bây tổ ca tăng xung rồi đánh đầu chế bộ xã xây. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur, avant de poser de nouvelles questions, je voudrais vous donner les références ERN du livre de M. Chandler que j'ai cité ce document que l'ERN en anglais était 00 19 21. En français, 00 35 72 64 en Khmer 00 30. Monsieur le témoin, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que à S21, il y avait un service s'occuper de l'économat, c'est-à-dire un service qui gérait les relations avec d'autres administrations pour pouvoir satisfaire les besoins de fonctionnement de S21. Prenons des exemples. Pour faire fonctionner S21, il fallait faire des entraves. Ou alors il fallait recevoir directement des entraves en fer. Il fallait pour monter des murs, faire des cellules. Il fallait des véhicules. Il fallait des munitions. Il fallait des vêtements. Est-ce qu'il y avait un service à S21 qui était en charge de ça? Je sais que ma question est très longue, mais est-ce que vous avez compris ma question? Et est-ce que vous savez à qui il s'adressait, par exemple, pour obtenir des entraves? D'où venait-elle? D'où venait-elle? D'où venait-elle? Semble sur certaines fonds que cet affaire, si on l'utilisait, pouvait ressembler à des fers qu'on utilise pour la construction. Est-ce que vous avez une idée d'où venaient ces entraves? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous-même, vous avez besoin de papier, vous avez besoin peut-être de machine à écrire. À qui vous adressez-vous pour obtenir les matériels dont vous avez besoin? Je
không ca tự xây, không ca ấy, cứ không chạy tôn từ mấy là chụp chiến mình đi xong phải mùi kháng xu chậm lại nâng. Và khá bạc khát ấy nhóm chan được xong đi kháng nâng. Alors, vous avez dit qu'il y avait un service de logistique. Ce service de logistique dépendait de quelle unité? Interrogateurs, des gardiens. Où est-ce qu'il était? Qui était de ce service de logistique? ໃນພໍພີແລະປດອລແຕ່ໂດຍທີ່ໄຕສາດໂດຍທີ່ອີ່ນັ້ນ Et vous souvenez du nom de cette personne? Est-ce que vous pouvez répéter parce qu'on a eu un problème de communication avec la cabine d'interprétation et on n'a pas entendu le nom que vous avez donné. Si vous pouvez répéter. Alors je suis désolé de vous le demander pour la troisième fois, mais je n'ai toujours pas entendu le nom de cette personne. Juste le nom, dites-moi. ឈ្មោះអីដែរបាទសូមឈ្មោះថន Voilà, nous avons maintenant entendu le nom. បាទឥឡូវយើងឮឈ្មោះ indiqué il s'agit de Thon. គឺឈ្មោះថន បាទ Je ne sais pas si c'est le cas pour le reste des francophones, mais il y a un problème de contact. Il y a de la friture sur notre ligne en français. Je pense que c'est ça qui cause problème. Non, je n'ai pas de friture, mais c'est vrai que je n'ai pas entendu le nom. Bien. On va passer à un autre sujet, monsieur le témoin. Hier, monsieur le procureur vous a posé des questions par rapport à la prison de Takmao. Je voudrais qu'on vous remette un document. Donc, c'est le document E3-98. 98-41. Je précise que ce document vient d'être... Je crois que les parties ont reçu notification. Peut-être par Zaylab. Voilà. Donc la version, la traduction que j'ai de ce document indique ceci. Incoming list. All comrades are requested to not to tear
or touch this book, and one shall not tear off any pages of the book. These are merely the list of enemies. Sur les pages suivantes, on peut noter que, en fait, on a réutilisé des factures commerciales d'une entreprise 5 ong. Il y a des colonnes et on voit le nom de personne avec le nom de leur époux ou épouse. Et au bas de la première page, de la seconde page, on voit marqué ceci, taken to Takmao to be smashed on 14 November 1976. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce document? Est-ce que vous reconnaissez l'écriture de cette écriture? Vous êtes familière? Est-ce que vous la reconnaissez? Est-ce que vous pouvez nous dire éventuellement qui aurait pu écrire cela? ខ្ញុំរៀបជូនតុលាការបានដែរឬទេថាអ្នកណាជាអ្នកសរសេរអសហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចដឹងច្បាស់ទេពីព្រោះការជំនិតដំណងជាមួយតាខ្មៅមកខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់មានដែលជំនិតដំណងនេះសោះដូចជាបញ្ហាឲ្យដឹងថានារីណាទៅសេអីគឺខ្ញុំអត់បានដឹងហើយជីនេះខ្ញុំមិនដែលបានឃើញផង Alors, sur cette liste, il y a différentes indications, notamment des gens qui ont été arrêtés, aussi voir un peu plus loin les listes des cellules ou des emplacements où les gens étaient placés. Par exemple, à un moment, on parle de house, maison, co. Est-ce que il y avait on utilisait AS21 appellations comme house co và ផ្ទះ co và rồi có ផ្ទះ co ấy nên cả thời nó miền cái miền prà ấy chẳng đấy miền prà pịa ở nằng đấy tham bay cầm nát à kia rồi có vận tục khung luôn ការសម័យនោះការកំណត់គឺមានតាមអាគារគឺមានប៉ុន្តែបើខ្ញុំពិនិត្យក្នុងឯកសារនេះទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅស.21ខនេះកន្លែងឃុំឃាំងអ្នកទួងគឺអត់មានត្រូវគ្នាសោះហើយនេះកន្លែងគេធ្វើនៅកន្លែងតាខ្មៅនោះនេះគឺធ្វើផ្សេងតែម្ដង Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite et nous dire pourquoi ils ne correspondent pas à S21? អ្នកទីសំភៃមួយវាគេកំណត់ផ្សេងហើយបញ្ជីក៏ធ្វើខុសគ្នាដែរអត់មានបញ្ជីយ៉ាងនេះអានេះគេកំណត់ខ្លួនគេខាងនោះគេធ្វើទេ
Merci. Vous nous avez dit, monsieur le témoin, que quand vous étiez à 21, vous faisiez partie de l'unité des gardiens. Est-ce que le service dans lequel vous travaillez était appelé service de documentation? Je comprends bien, monsieur, que votre service faisait partie de l'unité des gardiens. Mais vous, personnellement, est-ce que vous aviez une section parce qu'on peut considérer que vous étiez responsable d'une section qu'on appelait la section de documentation? Ou bien est-ce que vous avez ailleurs, dans les 21, un service ou un groupe qu'on appelait groupe de documentation? Je ne sais pas si je suis là. Dans le cas de ce jour, je suis là. 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 ប៉ុន្តែក្រុមខ្ញុំហ្នឹងគឺក្រុមទី18ក្រុមមន្ត្រីគេហៅក្រុមមន្ត្រីទី18របស់កងការពារហើយខ្ញុំទុំបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតថាក្រុមមន្ត្រីហ្នឹងគឺវាមានក្នុងគេឲ្យឈ្មោះក្រុមមន្ត្រីប៉ុន្តែក្រុមទី18ចុងក្រោយគេបង្អស់ហើយក្នុងក្រុមមន្ត្រីហ្នឹងវាមាន Est-ce que dans le groupe ឯកសារនៅក្នុងក្រុមអ្នកសួរចម្លើយឬអង្គភាពអ្នកសួរចម្លើយនោះតើមានក្រុមណាមួយដែលគេហៅថាក្រុមឯកសារហើយបើសិនជាមានក្រុមឯកសារនេះនៅក្នុងអង្គភាពសួរចម្លើយហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកប្រធានក្រុមហ្នឹង ក្នុងមន្ត្រីសួរចម្លើយ គឺក្រុមឯកសារគឺខ្ញុំវាមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដទេមិនដឹងជាអ្នកណាប្រធានក្រុមឯកសារហ្នឹងទេប៉ុន្តែតែនៅក្នុងមន្ត្រីគេហៅថាមន្ត្រីសួរចម្លើយហ្នឹងដាក់មន្ត្រីគេមួយដែលមានដូចជាអ្នកហ្នឹងដែលមានមេញជាប្រធានហ្នឹងប្រធានក្នុងមន្ត្រីដែលរបស់ដែលដូចកាន់កាប់ហ្នឹង Bien, mais vous nous confirmez qu'il y avait bien un groupe qu'on appelait groupe de documentation au sein de l'unité d'interrogatoire. លោកកំពុងតែបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើសិនជាមានក្រុមឯកសារហ្នឹងមិនមែនមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺសិមព្លីមកលាដូគីមេនតេសិន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 គឺសិមព្លីមកលា
ងទៀតថារឿងការងារនៅខាងផ្នែកមន្ទីរស៊ូចម្លើយនោះគឺខ្ញុំអត់បានដឹងពិតប្រាកដទេពួកខ្ញុំនៅខាងការពារនៅខាងក្នុងនេះThank you.
Bien. Monsieur le témoin, vous avez dit que vous avez participé à certaines formations. Est-ce que vous pouvez nous dire si au cours de ces sessions, lorsqu'on parlait des prisonniers, au cours de sessions de formation. រឿងពាក្យទាំងនេះគឺខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ច្បាស់ព្រោះថាអ្នកទោសឲ្យតែចូលមកគេហៅអ្នកទោសអ្នកទោសហើយប៉ុន្តែការរៀនសូត្រនៅពីដែលខ្ញុំស្ដាប់ហ្នឹងគឺមិនបានចាប់អារម្មណ៍គេហ្នឹងនិយាយថាខ្មាំងផងអ្នកទោសហ្នឹងមិនបានច្បាស់ឡើយ Bien, monsieur, je vais demander à ce qu'on vous remette un document. Il s'agit d'un document plutôt il s'agit d'un document se présentant sous forme de circulaire dont le titre est le règlement de la surveillance des ennemis. Ce document figure aux ERN Khmer. Est-ce que ce document vous rappelle quelque chose, monsieur? On reviendra ultérieurement sur ce document. Je voudrais maintenant que on revienne à des choses très pratiques, à l'arrivée de prisonniers. Est-ce que lorsque les prisonniers arrivaient, vous avez pu ខាងកងពិសេសនេះមានតែអ្នកទទួលហើយខ្ញុំចុះហត្ថលេខាពីលើហ្នឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាបានទទួលអ្នកទទួលប៉ុន្មានអ្នកឈ្មោះអីខ្លះអញ្ចឹងនេះចំពោះឯកសារដែលកន្លងមកគឺថាអ្នកដែលទទួលមានពួកខាងកងពិសេសទេមានតែអ្នកទទួលហើយខ្ញុំចុះហត្ថលេខាទទួលពីគេចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដែលបានទទួលពីគេដែលយកមកឲ្យផ្ទាល់ទេគឺខ្ញុំទទួលពីកងពិសេសដែលនាំអ្នកទទួលចូលមកដល់ហ្នឹង
Alors, je vais demander à ce qu'on vous remette un document extrait du 3/87/63, l'ERN en Khmer et 4x0, 80, 84. L'ERN en anglais, 00 18 29 82. Alors, je précise que sur ce document, on ne voit plus, on ne peut pas lire le nom des détenus, les noms figurant dans les colonnes. ប៉ុន្តែបើសិនជាមានគឺមានចំពោះអ្នកដែលប្រគល់ឲ្យមកគឺថានៅពួកកងពិសេសនេះកងពិសេសខាងក្រៅគឺប្រគល់ឲ្យមកហើយខ្ញុំប្រសេរចឹងទៅអនុរឿងពីខាងក្រៅមកប្រគល់អត់មានហើយជំនុំបែបបទក្នុងការទទួលហ្នឹងគឺកម្រមានធ្វើណាស់ Monsieur le témoin, il y a une indication relativement précise sur ce document. Et apparemment également en haut, au-dessus de l'office S21, il y aurait marqué « signé par ». En l'occurrence, ក្នុងករណីជាក់លាក់នេះគឺថាឯកសារនេះមិនបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកធ្វើអញ្ជើញនេះទេគឺគ្រាន់តែជាបញ្ជីដែលគេប្រគល់ជូនលោកនៅពេលដែលអ្នកទោះមកដល់លោកយល់ទេនេះខ្ញុំយល់ហើយគឺថាអ្នកទោះដែលមកដល់អានឹងតែកងពិសេសជាមកដល់គឺខ្ញុំអ្នកទទួល
Est-ce que, monsieur le témoin, est-ce que vous étiez prévenu à l'avance de l'arrivée? Monsieur le témoin, est-ce que vous étiez prévenu à l'avance de l'arrivée de prisonniers à S21? Ou est-ce que mon père n'a pas mon père n'a pas été mis en place. Est-ce que lorsque les prisonniers arrivaient, et qu'ils vous étaient remis, est-ce qu'on remettait également ខ្ញុំចង់សួរលោកថាពេលដែលអ្នកទោសមកដល់នោះតើលោកធ្លាប់ទទួលឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ដែរឬទេចំពោះអ្នកទោសមកដល់ហ្នឹងគឺឯកសារខ្ញុំអត់ដែលបានទទួលទេពីព្រោះអានឹងគេចាក់ទងដូចឆាយអស់ហើយឯកសារបុគ្គលអីគេទៅឲ្យដូចនោះប៉ុន្តែអ្នកទោសដល់មកដល់កន្លែងកងពិសេសកងពិសេសគេបដើមកគឺអត់មានអីមានអ្នកទោសមកមកតែម្ដង Alors, je vais prendre un exemple. Alors, je vais demander à ce qu'on vous remette un document. Document 3/521. L'ERN en Khmer, est 011-80-413. L'ERN en anglais est 01-19-14-93-95. Il s'agit de biographie de pêcheurs vietnamiens. Est-ce que vous avez déjà vu ce type de document? Est-ce que vous savez d'où ce document peut provenir? Est-ce qu'il provient de S21 ou est-ce qu'il provient d'ailleurs?
Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le témoin, si lorsque les prisonniers arrivaient à S21, ils étaient fouillés? Je veux comprendre, et vous me direz si je me trompe, que quand les prisonniers arrivaient, ils avaient les yeux bandés et ils étaient menottés. Est-ce bien le cas? Est-ce bien le cas? Est-ce bien le cas? ណែកបាត់អីហើយគេដាក់ខ្នោះហើយនៅពេលហ្នឹងតើគេមានឆែកឆេរបស់របរគាត់ដែរឬក៏អត់ចំពោះអ្នកទោះដែលមកទីសងភ័យមួយច្រើនតែគេបញ្ជូនមកពីកន្លែងផ្សេងៗទាំងអស់ដូច្នេះការឆែកអីវ៉ាន់គឺគេតាំងពីកន្លែងគេបញ្ជូនមកនោះមកតាមខ្ញុំដឹងពីព្រោះមកដល់កន្លែងកងពិសេសហ្នឹងគឺគេដាក់ Est-ce qu'il devait enlever leurs vêtements? តើពួកអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវដោះខោអាវចេញដែរឬទេពេលមកដល់មន្ទីរស.21ពេលមកដល់មន្ទីរស.21មកដល់កន្លែងគុកហ្នឹងគឺកន្លែងខងកងពិសេសគេដោះអស់ចេញអស់ហើយបានគេបដាចូលមកជួនកាលខ្លះក៏នៅខោវែងដែរជួនកាលក៏នៅតែអាវដែរអាហ្នឹងនៅលើកងពិសេសព្រោះតែមកដល់កន្លែងខ្ញុំគឺអត់មាន Pour quelle raison enlevait-on les vêtements des prisonniers? Quand vous avez été entendu le សូមបីតែសំលៀកបំពាក់ខ្លួនឯងនោះក៏គ្មានសិទ្ធនឹងយកមកចូលមន្ទីរស.21ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកថាលោកនៅរក្សាចម្លើយនេះដែរឬទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការដែលមកដល់កន្លែងកងពិសេសដែលគេជាទូលអ្នកទូនឹងគឺគេដោះចេញអស់ហើយចង់មុខចង់អីហើយអស់មកដល់កន្លែងខ្ញុំគឺអត់មានអ្វីទៀតទេគឺគ្រាន់តែគាត់ឈ្មោះគាត់អីចូលក្នុង Alors, nous avons parlé tout à l'heure du règlement. Je précise que vos déclarations sont en contradiction avec le règlement, notamment le 12
En ce qui concerne les vêtements des ennemis, il faut qu'ils les portent sur eux tous. Il ne faut pas leur permettre d'enlever leurs vêtements. S'ils enlevaient leurs habits sans autorisation, il serait impératif de les confisquer pour qu'ils n'aient plus rien à porter. Donc, vous maintenez vos déclarations, la pratique, c'était bien que les détenus restaient simplement en short. ចម្ពោះពីនៃនេះគឺចម្ពោះខោអាវគឺវាមានដែលកែងកងស៊ូចម្លើយហ្នឹងគេអ្នកខ្លះគេឲ្យស្លៀកពាក់វិញទៅអ្នកខ្លះឲ្យញៀមបានតែអ្នកដែលគេឲ្យស្លៀកពាក់ហ្នឹងគេអត់ឲ្យដោះចេញហ្នឹងបាទអានេះខ្ញុំចាំវាមិនច្បាស់តែរឿងអស់ហ្នឹងវាការកន្លងយូរមកមកហើយ Oui, sauf que quand il venait devant vous, vous voyez quand même ben, bien s'ils étaient habillés ou pas habillés, monsieur. Alors quand ils étaient devant vous, ils étaient habillés ou ils n'étaient pas habillés? ខ្ញុំវាមិនទៀងទេអ្នកខ្លះក៏មានអ្នកខ្លះក៏អត់អ្នកខ្លះពាក់អាវអ្នកខ្លះក៏មានធំខោខ្លីប៉ុន្តែច្រើនមានអាវមានខោខ្លីហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនទៀងនឹងអស់គឺពួកខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេអាហ្នឹងបើមានក៏ធឺតក៏មិនមានអានេះស៊ីសងគឺអាស្រ័យទៅលើកងពិសេសទេតែប៉ុណ្្នឹងតែមានតែខោអាវខោខ្លីខ្ញុំចូលទៅខោទាំងខោអាវខោខ្លីហ្នឹង Est-ce qu'il vous arrivait, monsieur le témoin, de voir des prisonniers civils vietnamiens arriver avec des vêtements civils et se voir habillés ensuite en militaire vietnamien? Est-ce que vous avez constaté ce genre de pratique? Est-ce que vous avez vu que l'on demandait à des civils de mettre des uniformes militaires? ជនស៊ីវិលអ្នកទោះស៊ីវិលហ្នឹងពាក់សម្លៀកបំពាក់យោធាជាឯកសណ្ឋានយោធានេះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺអ្នកទោះវៀតណាមដែរគឺមកដល់ក្នុងគុកអត់មានដែរឃើញសម្លៀកពាក់យោធាច្រើនជាស៊ីវិលទាំងអស់ប៉ុន្តែការងារដែលស្លៀកពាក់ទាហានជាយោធានេះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងពិតប្រាកដទេ Je vais lire le point. Je vais lire le point 10 du règlement. Le point 10, paragraphe 1, dit ceci. Durant la surveillance, les cadres et les combattants doivent absolument fouiller les prisonniers en tout temps, en permanence, selon l'emploi du temps. Fouiller quatre fois. À 6h du matin, une fois. À 11h, une autre fois. À 6h du soir, encore une fois. Et à 11h du soir, une dernière fois. Est-ce que vous avez été témoin de telle fouille, monsieur le témoin? អ្នកយាមជាកងការពារទាំងទេគឺមានតែហុយមិនដឹងច្បាស់លាស់អំពីការឆែកឆេរអំពីការអីគឺខ្ញុំមិនចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់
Est-ce que vous avez remarqué si, à l'arrivée, certains prisonniers portaient des traces de coups? Certains prisonniers avaient des hématomes. Où est-il arrivé que certains prisonniers décèdent pendant le transport? ករណីចំពោះអ្នកទឹកទុះដឹកមកដល់ស្លាប់គឺអត់មានទេតែកន្លែងខ្ញុំនិងកន្លែងខ្ញុំអត់មានតែការជុំការអីគឺអត់ខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ជាមើលជាអីគឺនឹងមកដល់ទៅសេះឈ្មោះស្អីហ្នឹងអាលជូនទៅក្នុងគឺអត់បានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នកទុះ Monsieur le témoin, est-ce que lorsque vous posiez la question de leur identité à ces témoins, est-ce que vous, quand vous leur demandiez comment ils s'appelaient, est-ce que vous les regardiez? Est-ce que vous avez vu si certains portaient des traces de coups? ខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអ្នកទោសមានស្លាកស្នាមអីទេពីព្រោះអ្នកទោសតែមកវាបន្តទៅយើងអញ្ចឹងដឹងតែពីសួរហើយគាត់ងាល់បញ្ជូនឲ្យគេទៅថតបន្តបន្តរហូតហ្នឹងដូច្នេះការងារក្រៅពីរកិច្ចខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់សូវមានការចាប់អារម្មណ៍ទេ Donc, par exemple, il n'est jamais arrivé qu'un prisonnier soit envoyé directement voir le service médical parce qu'il est arrivé en piteux état. Bien, donc votre travail, votre premier travail, consistait à remplir les fiches biographiques et plus précisément à remplir les cases vides sur ces fiches. C'était des fiches individuelles. Quel était l'objectif de ces fiches individuelles et en combien d'exemplaires étaient-elles réalisées? Plusieurs exemplaires? ហើយពេលដែលលោកបំពេញនោះលោកបំពេញជាមួយច្បាប់ឬក៏ច្រើនច្បាប់ចំពោះការបំពេញអ្នកទោសក្នុងនេះគឺមានតែមួយច្បាប់មានតែមួយច្បាប់ហ្នឹងគឺសរសេរឲ្យដើម្បីយកថតប័ណ្ណហ្នឹងហើយការគឺហូតពីអ្នកប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើហើយ Donc vous faisiez une copie. À qui était destinée la copie? ច្បាប់ទី2ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែបើនិយាយកន្លងមកខ្ញុំអត់ដែលបានធ្វើច្បាប់បានច្បាប់ទី2ច្រើនព្រោះឥឡូវជាជាប់ការងារច្បាប់ទី1ហ្នឹងធ្វើអត់ទាន់ហើយហ្នឹងអត់គ្រប់អស់ហ្នឹងធ្វើបន្តទៅទីនេះរហូតដូច្នេះអាច្បាប់ទី2ហ្នឹងអត់ទាន់បានចម្លងទៅណាទេទាំងអស់ Quand vous faisiez une copie, était-ce parce qu'on vous en faisait la demande? Et si oui, à qui remettiez-vous ces copies? Donc, je me disais que le
ពីផងនេះបើពីរំលីព្រោះបើហោគេចង់ឲ្យយើងធ្វើប៉ុន្តែដល់ការងារវាមានញឹកឬធ្វើតែមួយនឹងអត់ត្រង់តន់ហ្នឹងដូច្នេះបាទសម្បត្តិទី2ហ្នឹងគឺអត់ត្រង់បានធ្វើអ្វីទាំងអស់ À qui les donniez-vous? Est-ce que vous les gardiez pour vous ou est-ce que vous les remettiez à quelqu'un? ពេលដែលលោកធ្វើហើយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាលោកធ្វើច្បាប់ទី2ហ្នឹងលោកទុកនៅក្នុងខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏លោកយកទៅបកគលឲ្យអ្នកណាច្បាប់ទី2ហ្នឹងគឺអត់មានយកទៅណាគឺនៅកន្លែងទុកនៅហ្នឹងប៉ុន្តែវាធ្វើវាមិនទាន់បានប្រមាណហងព្រោះឥឡូវធ្វើការងារទី1ទល់តែគេខោប្រាប់ថាឲ្យធ្វើប្រញាប់បានធ្វើប៉ុន្តែបើនិយាយទៅគឺអត់តាំងពីនេះមកដែរបានធ្វើសត Sur chaque fiche, apparemment, il y avait l'indication du lieu où le détenu était emprisonné. Savoir s'il était dans une maison, s'il était dans une grande cellule ou une petite cellule. Qui décidait si c'était une grande ou une petite cellule? Est-ce que c'est vous qui décidiez? Est-ce qu'il y avait des instructions? Comment ça se passait? Pour remplir votre fiche biographique, vous deviez indiquer l'emplacement où était emprisonné le détenu. Qui vous donnait cette information? Est-ce que c'est vous qui décidiez ou est-ce que ce sont les gardiens qui vous disaient ça sera à tel lieu, ou dans telle cellule, ou dans telle maison? ចំពោះអ្នកទោសដែលចូលមកដល់ហើយនៅពេលដែលកងការពារគេយកមកគាត់ឈ្មោះថតហើយពេលចូលដល់ក្នុងគុកនឹងគឺអ្នកដែលអ្នកយាមនឹងគេយកទៅខ្លួនគេម្ដងដើម្បីគេយកទៅដាក់ក្នុងអគារណាដែលទំនីទំនី Donc ce sont les gardiens qui vous donnaient les informations pour que vous puissiez compléter votre fiche biographique en indiquant là où était détenu le prisonnier. Nek tos ni trou khum nou bontop ni pteah ni chang men te. Ni pi la nek yiem khum kot hai nek yiem ko yot chou lo khnung akia na ko dai ko khum trou ta dae chou teu dambei kamlong yo lik bontop lik pteah yo mo wing dae. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire comment étaient conservées ces archives, ces biographies? Est-ce qu'il y avait un système d'archivage qui consistait à les conserver par date d'arrivée, par ordre alphabétique, par bâtiment, est-ce que vous avez une indication ou est-ce qu'il n'y avait pas d'ordre véritable? Vous avez une indication ou est-ce qu'il n'y avait pas d'ordre véritable? Vous avez une indication ou est-ce qu'il n'y avait pas d'ordre véritable?
trong cái là sự phơi thôn muối hay dân cặp châu trong đằng trời hay dịp cá nó cứ trăm mặt sẽ ba mặt đăng kiện đã tới tam ong gặp tiếp rồi còn mặt đăng kiện đã tới tam thằng ngày châu lại ở bàn sẽ ba Et ces grands registres, c'était sous forme de livres ou c'était des boîtes, des simples boîtes dans lesquelles on mettait ces feuilles de papier. Est-ce que, au-delà de la simple fiche biographique, chaque détenu avait un dossier individuel auquel on pouvait mettre, par exemple, les aveux qu'il avait fait AS21 ou bien d'autres photos? Est-ce qu'il y avait un dossier individuel qui allait au-delà de la simple fiche biographique? Moi, est-ce que vous vous souvenez s'il est arrivé qu'on prenne des photographies des prisonniers une fois qu'ils aient été exécutés? Et est-ce que ces photos étaient ajoutées éventuellement à la fiche biographique ou bien si ces photos existaient, où étaient-elles placées? Rừng đục xì, à rừng bảo vọt ở rút nó cứ ọt miền rút thọt. Để nẹ tôi đã xẩm lạp, miền là rút thọt nè tôi đã châu màu, đã bản năng này. Hay ai cái xa ấy gọt miền là, miền là bảo vọt ở rút trong khép nâng rút thọt, mà sẽ đặt châu mà đó. Est-ce que vous savez s'il y a eu des photos de prisonniers exécutés? Cho lục đăng tham miên ca thọ rục nạ tu đã trở ban kê sầm lạp hỏi thế. Chúng phù lại năng cứ nhóm ọt ban đăng sẽ bà đây vì phù nhóm ọt ban. Tư cái lại là kỳ thọ rục năng phù miên là chiên thọ đây năng. Để hô đây là cái đăng cho mùi con gà phì. Monsieur le témoin, je vais relire une partie de la déposition que vous avez faite le 28 juillet 1964-66 vers 11h33. Vous avez dit ceci. Pour les cadres importants, on prenait leurs photos sur ordre d'en haut. Par exemple, on a pris la photo de Chai Kim Ho, de Von Vett, ou encore de Lee Pal, alias Pal. Vous avez précisé ceci. Ces cadavres ont été exhumés et on a pris leurs photos trois jours après l'enterrement des corps. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Nhưng mà ban trăm thì chúng phụ cả trăm lại cả năng.
Apparemment, c'est ce que vous avez dit ici, dans cette même salle. Est-ce que vous avez des problèmes de mémoire, monsieur Thémon? Yes, sorry to interrupt. Yes, it is actually Duik who said that. But you can put them to the high, don't you need to know, man? That's a religion and the general line. Alors peut-être qu'on a cité ce qu'avait dit Duke pendant Vous avez dit ce matin que s'agissant des prisonniers sortants, vous deviez établir une liste des prisonniers qui devaient être retirés des effectifs. Est-ce qu'on employait ce mot « retirer » ou est-ce qu'on utilisait l'expression « écraser » Est-ce que « écraser » et « retirer » ont la même signification? Donc, vous avez dit que vous receviez une liste avec des annotations de Doïc. Je voudrais vous montrer une autre liste. Il s'agit du document E3-101-66-A. Est-ce qu'on peut remettre ce document? Alors, je précise qu'il s'agit d'un document qui vient tout juste d'être traduit. Et je pense que soit les parties en ont reçu une notification très récemment, soit l'ont envoyé un email à cet effet. La liste porte s'intitule List of people to be removed. Et sauf erreur de ma part, il y a une annotation qui n'a pas été traduite dans la version en anglais, juste à côté du titre. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous lire ce qui est écrit? Est-ce que vous avez déjà vu des listes comme celle-là? Bình chi vì chuộp khi này hay
Alors, je précise pour le public, pour la compréhension de ce document, il s'agit d'une liste de 40 détenus. La quasi-totalité de ces détenus sont des détenus femmes qui ont la particularité soit d'être enceinte, soit d'avoir tout juste accouché. Je précise que cette liste contient le nom des prisonniers, ou des prisonnières, leur âge, leur position, le ministère ou l'unité dont elles proviennent, la date à laquelle elles sont rentrées, le nom de leur conjoint, la position de leur conjoint, l'unité dont dépend le conjoint et le nombre d'enfants. Et il y a par exemple six months pregnancy, five months pregnancy, four months pregnancy. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu ce genre de liste, monsieur? Sachant que, par ailleurs, si on prend chaque ligne, non seulement il y a le nom de la prisonnière, mais aussi le nombre d'enfants. Dans la première ligne, on sait que la prisonnière avait 4 enfants, 3 enfants. Avez-vous déjà vu cette liste, ce genre de liste, monsieur? លោកកិច្ចក្រុមឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយរៀបការសម្រាប់ចាប់ពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរួមរស់ផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលឈប់សម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់រួមទាំងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីមកកាន់កន្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3សម្រាប់